Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 10 de la campagne œil pour œil avec les hommes bêtes, donc en mode difficile. Alors, généralement, sur les multiples de 10, je fais un petit bilan de la campagne. Donc, on voit un peu donc la carte, là, les limites de cette carte. Donc, on a commencé dans cette région. Et puis, en fait, la campagne, elle est construite de telle manière qu'on doit détruire les factions humaines les unes après les autres. Donc, j'ai déjà oublié le nom de cette faction que j'ai détruite ici. Mais on a enchaîné comme ça, et on se déplace avec notre armée, ou avec nos armées, au fur et à mesure que les objectifs changent. Alors... pas grand chose à dire là-dessus, c'est une approche assez classique. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les spécificités des hommes bêtes. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit en début de campagne, c'est vraiment un mix entre guerrier du chaos et peau verte. Donc on gère des hardes, on gère un camp qui se déplace avec nous, notre hard guerrière là, qui au départ était toute petite, et puis on construit nos différents bâtiments au fur et à mesure en utilisant la croissance. Alors vous voyez là, la croissance elle change de 7 par tour, il faut 20 points de croissance pour gagner, enfin 20 points oui, de croissance pour gagner 1 point de population. Je vais y arriver. Donc on a quasiment fait dans cette dans cet arbre tout ce qui nous intéresse. Il nous manque pas grand chose, il nous manque le géant pour 10 points, on est à 8. Il nous manque éventuellement le dernier niveau de Minotaure, mais j'ai regardé, c'est pas si génial que ça. Éventuellement le gain de 10% d'entretien pourrait être pas mal. Après, on verra ce qu'on prend. Peut-être la cavalerie, enfin bon. On arrive à un stade où la croissance effectivement est plus vraiment utile. Même si on peut toujours augmenter nos caractéristiques. Alors on a une deuxième armée, qui est l'armée de Gruk, qui en fait résulte de la confédération que j'ai créée. Et que j'ai englobé donc, et avec cette armée là. Alors elle est équipée d'unités qui sont beaucoup plus faibles en qualité, mais elle existe, elle est utile, elle peut faire du pillage, même si là c'est pas une zone propice à ça. Voilà. Donc j'en suis à un stade où je complète mes armées. Mais je suis surtout à un stade où je vais enfin pouvoir recruter ce que je voulais recruter depuis très longtemps, qui est Malagor le Mauvais Présage, qui est le deuxième seigneur légendaire des hommes bêtes, et que je vais utiliser pour créer une troisième armée. Donc j'ai les points, donc ça veut dire que dès que je crée un camp, je vais peut-être m'en occuper. Créer cette armée sous la tête de Malagor. Y donner bien sûr quasiment toutes mes troupes pour l'alimenter et recréer ces troupes au fur et à mesure. Alors on n'oublie pas que en ce moment, si on regarde nos objectifs du chapitre, on doit détruire Middenheim. On a déjà l'objectif bonus qui était un objectif de raid. Donc on doit détruire Middenheim. Il se trouve que on combat Middenheim en ce moment. Et accessoirement, on est poursuivi par deux armées de Middenheim. Alors, soit je continue vers les villes et on peut jouer à cache-cache et je vais les emmener avec moi. Soit on pourrait essayer de les choper, j'hésite encore. Toujours est-il que pour créer l'armée dont je parlais tout à l'heure de Malagor, il faudrait que je sois un peu au calme, donc je sais pas. On va peut-être poursuivre ici vers cette cité, qui est bien pourvue d'ailleurs. Peut-être détruire et mettre un mausolée du chaos, ce qui permettra de pourrir la zone un peu. Parce que vous remarquez qu'ici, les armées elles subissent de l'attrition à cause du chaos.
Bon, de toute façon, je passe le tour. Ah oui. Alors, c'est pas une, c'est pas deux armées, c'est quatre armées. Ça, c'est Mawag. Mawag qui se trouve au milieu de tout ça. Not likely. Donc, lui, il va falloir que je le baisse. Hein, non, non. Sigma, no. Écoutez, on va foncer, moi, je pense. Donc, il faut que je donne un sort, donc un quatrième. Ben, on va faire ça. Et ici, ça monte aussi. Allez, donc j'ai recruté un champion minotaure. C'est vrai que c'est pas mal. Je pense qu'effectivement l'ouverture de la porte c'était assez sympa de faire ça. Donc je dois me remettre un peu, c'est ce que je vais faire ici. Là il y a moins besoin de ça. On va quand même le faire ici. Donc la question c'est est-ce que donc ici je pourrais aller chercher le dernier niveau des Minotaurs ou attendre encore un peu pour les géants. Je crois que je vais attendre encore pour les géants. Donc recruter, c'est peut-être pas le bon moment de recruter. Si je recrute avec des armées à mes trousses, c'est peut-être pas la meilleure des idées, donc on va encore attendre. Désolé Malagor, je retarde effectivement l'échéance. Ici, on a ça qui pourrait être intéressant, et qu'on va faire d'ailleurs. Au niveau du recrutement, bah, j'ai pas grand-chose. Je pourrais éventuellement donner des unités, mais il n'y a pas le feu. Ok, je passe le tour. Alors certaines reculent, certaines avancent. Embuscade découverte. Donc effectivement, mes hearts sont fait choper. Alors ici, on me cherche des noises. Eh bien, écoutez, on va me trouver. Hein. Todbringer est là. C'est tentant d'aller chercher hein, le vilain là. Bon, donc, de toute façon, on fait ça. Et on va pulvériser cette armée. Si on peut la rattraper. Ce qui est fait. Alors, potion de soin, je crois que c'est un truc qui est assez intéressant. Donc ça c'est Gruk que je vais lui augmenter sa croissance. Non c'est pas ça que je veux, j'ai dit la croissance. C'est là. On a dit potion de soin. Ouais ça je pense que je vais plutôt le donner à ce cher Kazrak. Ça prendra un tour. Ok. Attrition, c'est à cause du manque de rage. Donc, ok. Donc on va rester là. On fait ça. Donc, on passe à 9. On est bientôt prêt, en fait. On est bientôt prêt. Tant mieux, tant mieux. Donc ce sera soit Malagor, soit les géants dans un premier temps, mais je réfléchirai. Allez, je passe le tour. On est toujours poursuivi par des agents, donc j'ai pas l'impression que les agents des hommes bêtes. Ok, donc une nouvelle lune noire. Non. 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 Pff, oh là là, tout est mauvais là ce tour-ci. Donc expérience d'une idée, coup de recrutement. Je vais peut-être pas recruter tout de suite. Ça dure combien de temps? 5 tours.
trop de reconstitution. On va peut-être calmer la croissance de la horde, sinon. Non, on va faire ça. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a Otto et on a Boris. Bah écoutez, je pense qu'il va falloir y aller maintenant. Donc, Gruk, il est bien où il faut. On va mettre ici. Et lui. Alors, il a pas pu se remettre. Je vais quand même pas faire ce truc. En plus, c'est une embuscade. Allez. Non, on détruit ça. Non, j'ai besoin de rage bestiale. On va renforcer. I refuse. Est-ce qu'il peut poursuivre, oui. Ok, ça c'est fait. Et ici... Bon, écoutez... Voilà. Donc, on va me poursuivre moins longtemps, je pense. Voilà qui est parfait. Donc ici, on peut toujours pas. On doit faire ça. Bah, j'ai encore un point. Attaque en mêlée, armure. Qu'est-ce qui nous manque le plus? Bonus de charge, on est déjà énorme. Hein. Ouais, l'armure. On va augmenter ça et après on file là-bas. Ok. Donc de toute façon, on va reculer. Ici, tout le monde monte. Aussi, ça c'est bien. Bah, c'est le moment d'aller de l'autre côté de la branche. Bon, bah c'est pas mal ça. Et on peut même faire un camp. Ce qu'on va faire. Ok. Bah écoutez, on va passer le tour. Ah, c'est peut-être les héros qui m'embêtent en fait. Donc Boris Todbringer vaincu. Todbringer s'écrase au sol, l'air expulsé violemment de ses poumons. Ses yeux s'écarquillent sous le choc et la douleur. Puis Kazrak lui tombe dessus. Deux bras inhumains le coincent au sol. Un grognement bestial et sauvage se transforme en un rire sombre et moqueur. Sa tête évite un coup de justesse, mais une corne érodée par le combat et encrottée dans la boue se rapproche dangereusement de l'aile droite de Todbringer. D'une maladresse calculée, Kazrak l'y plonge, le rire devenant maintenant un hurlement de plaisir immonde. Le sang fuse de l'orbite, Todbringer crie, Kazrak rit. L'œil et la vengeance lui appartiennent enfin. Qu'allez-vous faire de cette nouvelle récompense? Donc 5000 d'expérience, ça c'est pas mal. Conservez l'œil, 5000 d'expérience. Taille de l'aura de Kazrak. J'ai pas trop constaté, je vais prendre ça, moi. Je vais prendre ça. Alors, du coup, ça veut dire qu'effectivement, ça, c'est compté comme OK. Donc, bah, écoutez, c'est parfait. Hein. Alors, du coup, on est revenu à égalité avec Middenheim en détruisant ses différentes armées, donc ça c'est assez intéressant. Donc du coup, il a évidemment pris une compétence. Hop. Ben, encore. Tout le monde monte, il en a pris deux même. Et donc là, je vais lui donner les points de vie. Voilà.
Il est niveau 21, donc après on n'a plus que 9 points à trouver, bah, il faudra le faire. Donc, absolument besoin de se refaire au niveau de l'armée. Donc on fait un camp. Ici, on va pouvoir aller raider, je pense, à côté. Alors, on est un peu loin de tout, donc on va faire ça. Oui, donc tout ça va prendre du temps. Donc, dans deux tours, on pourrait créer les géants, ou alors on crée Malagor, mauvais présage tout de suite. On va le créer. Donc on commencera à switcher au niveau des armées. Alors je sais même pas de quel seigneur légendaire, ok, mais on sait quels sont ses sorts. Donc un Sigor, c'est en fait comme celui que j'ai en fait. Ok, ok. Alors maintenant il a des quêtes spécifiques, j'imagine. Ok, ok, ok. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Bah, écoutez, on va le monter tranquillement. Ici on se remet. Bah écoutez, je vais passer le tour. Peut-être un agent que je vais essayer de fabriquer pour pouvoir tuer. Les dieux regardent les hardes et sont en colère. Telle est l'inconstance puissante du chaos. Total des faveurs, moins 1500. Assassiné, échec, échec. Donc, une techno. Qu'est-ce qu'il nous reste? Allez, on va faire ça. Donc, effectivement, bah, on est reparti à 3 puisqu'on a consommé du temps. Ici on est prêt à y aller, donc c'est ce qu'on va faire. On s'avance sur zone. Et on va faire un petit raid comme ça. Alors ce terrain est difficile, je sais pas encore pourquoi, mais il y a sûrement une raison. Marrakech, ok. Ok, j'ai raté mon coup. Donc, est-ce que je peux recruter un agent? Alors, je ne peux pas parce que je suis à la limite absolue. Ben, ça règle la chose, donc je passe au tour. Ok, autre armée ici. Écoutez, ma... Alors, je sais pas où elle est. Elle est là. On va faire ça. Ah oui, j'oubliais un petit détail. J'ai une quête pour laquelle il va falloir que je recrute des choses. Alors je sais à peu près ce que je vais faire. On n'a pas beaucoup de place ici. Ok, donc qu'est-ce que je lui donne? Je vais peut-être lui donner toutes mes troupes ici. Ça c'est clair. Le problème, sont parfaites, j'aurais peut-être dû les fusionner avant de faire tout ça. Rang 6, je vais le garder. Par contre, je vais lui donner ça et ça. Les archers, c'est l'autre armée qui lui donnera. Donc ici, on va donner 1, 2, 3.
Donc ça fera 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 avec des archers, on va lui en donner un autre. Ok. Donc attention, j'ai des petites armées. Est-ce qu'il peut venir ici aussi? Non, on peut pas tout faire en même temps. Donc, ici on va donc recruter. Donc ça va prendre du temps. Donc c'est 3 tours et ça c'est 2 tours. Donc on va déjà commencer par l'infanterie. Ça c'est bien. Et on va faire toc toc. Ok. Malagor, évidemment, tu n'as rien. En termes de pop, t'en gagnes 4 par tour, ce qui est assez normal pour l'instant. Ok, je passe le tour. Donc là, on va surtout enchaîner des... On va surtout enchaîner des tours de gestion, je pense. Hein. Donc, tout ça, on a... Bah écoutez, on a tout, donc on va prendre ça. Ici, ça se carapate. On va le choper, hein, moi, je pense. Non, donc là, on peut pas. Lui non plus, peut pas. Ok. Et lui... peut pas non plus. Donc... je vais lui donner tous ses archers. Je lui laisse le chaman ou pas? Je vais lui donner aussi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15. Et je vais lui donner des lanciers. Lui va recruter 3 chiens. C'est 3 chiens qu'il faut? Ouais. Ok. Et du coup, il va recruter de nouveau 2 archers. Ok, donc oui, je sais plus si j'ai fini ma phrase, mais effectivement, je vais faire pas mal de gestion ici. Pour le moment. On est bon. Donc... toujours bloqué. Par contre, on peut recruter. Donc, qu'est-ce que j'ai perdu? Mon infanterie, c'est bon. Donc, je vais recruter de nouveau un géant. Après, c'est les minotaures. Hein. Donc, minotaures avec bouclier. Toc. Bah, de toute façon, je suis à la capacité maximum. Donc, la combativité, ça va encore. Ah, j'ai oublié. En fait, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Enfin, si, c'est bon, mais j'ai les chiens à mettre dedans. Bon, alors. Gruk est là. Malagor, il va prendre autre chose sur Kazrak. Qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre... Il va prendre l'infanterie. Ok, Malagor est prêt à aller se battre. Et donc il va aller attaquer là-bas. Donc ici. Donc il peut arrêter ça. Et il va lui donner les 3 chiens. Ok, ça c'est Gruk. Gruk, qu'est-ce qu'il peut faire d'intéressant? Bon, il pourrait faire les rejetons du chaos, par exemple. Je crois pas qu'on en ait besoin, mais à la limite, pourquoi pas. Ou alors attaquer une autre branche.
Allez, on va faire ça. Si jamais sur une quête on nous demande d'intégrer des rejetons du chaos, au moins on l'aura fait. Donc Malagor a joué. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut recruter quelque chose? Non. Est-ce qu'on peut construire quelque chose? Non. Est-ce qu'on peut recruter un agent? Non. Ok. Eh ben, tant pis. Donc, je passe le tour. Ok, donc ça, c'est fait. Raser ou mettre à sac 3 colonies différentes appartenant à la ration, les provinces de l'Empire. Ça devrait se faire. Donc, je vais récupérer mes chiens. Je les vire peut-être. Donc tout ça, ça entraîne évidemment un surcoût, mais je m'y étais préparé en accumulant un trésor. Hein. Ok. Donc, on a dit... Ici on est pas mal, sauf que il va récupérer ses chiens. Et lui va recruter ce qui lui manque. Donc il lui manque de l'infanterie. Donc ça, ça sera bon. Il lui manque au moins un géant. Ah, c'est des minotaures que j'ai plus, là. Attendez, c'est quoi, ça? Alors, c'est bien des minotaures. Et ça, c'est quoi? C'est le géant, en fait. Donc, il lui manque bah, 2 minotaures, en fait. Ok, donc là, on est bon. On est très bien. Ok, 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 ok. Je passe le tour. Donc on n'oublie pas d'ailleurs qu'on n'est pas totalement remis. Donc on a dit, eh ben, des minotaures avec bouclier. Donc tac, tac. Voilà, le tour prochain, c'est bon. Ici, on peut recruter, mais est-ce bien nécessaire? On va surtout avancer déjà. Faire un camp. Non, on va rester comme ça. Donc on va plutôt, du coup, faire un raid. Voilà. Ok. Donc Middenheim, on est à peu près pareil. Hein. Ah bah je suis rang force 1, ils sont rang force 3. C'est Marienburg qui est rang force 2 et Auckland rang force 3. Alors ça c'est Malagor qui est pris à d'assaut. Regardez-moi ces armées. Donc on va fuir. Et là, on n'a pas le choix. Il va falloir se battre. Eh ben, ça va pas être simple, mais on va faire le maximum. Donc, ils ont beaucoup d'artillerie qui est endommagée. Alors, j'ai évidemment pas de cavalerie. Donc, on va peut-être essayer d'utiliser nos unités tracker pour faire le nécessaire. Par contre, l'armée de renfort, elle est juste gigantesque. Allez. On y va. J'ai deux chamans, mais il y en a un qui est pas du tout expérimenté. Non, c'est bien 22. Donc, ok, ils arrivent là, les renforts arrivent derrière. Donc, vous voyez le genre. Donc, déjà, on va mettre toutes nos unités. Déploiement en avant-garde.
Je crois que c'est tout ce que j'ai en fait, tout le reste c'est pas possible. Alors c'est dommage, mes unités elles sont assez faiblardes. Donc ok, on va éviter peut-être, il faudrait que la portée elle est quand même gigantesque hein. Donc on va peut-être pouvoir faire leur faire du mal. Donc la forêt, donc on va essayer de se cacher là. Si on peut choper la cavalerie. Ici on a deux unités de Minotaurs qui vont constituer nos troupes de choc. Il reste nos deux héros avec la magie. Donc lui, il a quoi? Ah oui, la lance d'ombre. Et vol du destin. Ok. Et lui, il a seulement la nuée venimeuse, mais qui est un bon sort quand même. Alors, en termes d'effectifs, je suis beaucoup plus qu'eux, mais ils ont des unités plus avancées, quoi. Donc. On va essayer donc de... Alors, ils sont pas à portée, mais ils vont pouvoir l'être. Donc, je sais pas si je vais bouger tout de suite, en fait. On va quand même emmener nos chefs ici, et nos archers, qu'on va emmener là, par exemple. Normalement, ils ne seront pas vus. Alors, eux, c'est pareil, ils vont pas être vus, donc on va les mettre là pour l'instant. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'attendre que les renforts ennemis arrivent si je peux faire du mal à ces unités là quoi. Allez, on va regarder ce que ça donne pour l'instant déjà. Ben j'ai adoré perso. Ça c'est un coup de rocher. C'est un coup de rocher ou je ne m'y connais pas. Ok. Donc là ce sont mes unités qu'on va cacher puisqu'elles ont été vues. Essayer de saboter les mortiers tout de suite en fait hein. Je crois qu'on a des cibles pour nos amis là hein. On va essayer de s'en occuper hein. Mes archers sont toujours cachés en fait hein. Donc on va se planquer, ça sert à rien de faire ça, autant pas être vu pendant qu'ici
Tant qu'on a des munitions, hein. On aura presque pulvérisé l'autre armée. D'ailleurs, on va garder notre magie pour la seconde armée. Hein. Donc les orques de Staline... On va reculer vraiment. Sérieusement, on va reculer. On va utiliser nos archers après tout. Hein. Ok, donc on va leur demander de stopper le feu et eux, on va les faire revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors leur cavalerie, donc mes lanciers, ils sont par ici. On va les mettre dans la forêt. Ça, ce sont mes minotaures. Chevalier de l'Empire, ça résiste à des rochers ou pas? Pas trop. C'est bien. C'est très bien. Alors ça tombe sur quoi? On va continuer à canarder ici, nous. On va les balader, hein, moi je dis. On va les allumer, ceux-là. Donc... Ça va vous faire bizarre les chevaliers de l'Empire si je vous chope. On va nettoyer ça. Je prends un feu d'enfer, hein. Où est-ce qu'ils sont mes minots là?
On va venir ici. Ils ont encore des rochers ou pas? Ah, les albardiers font très mal à mes géants. Ouais. J'envoie Minotaur essayer de sauver Malagor, sinon ça va être dur. Allez, ressaisissez-vous là. Allez, 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 allez. Vous allez là, mais venez vous battre là. Donc, tout ça, ça fuit beaucoup. On en est où? Qui ne fait rien? On va essayer de l'emmener par ici, hein.
monde soit se déplace, soit se bat, donc ça doit être bon. Bah écoutez, on va la gagner la bataille, mais alors... Oh là 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 là. Victoire la Pyrrhus, j'imagine. Oh oui, je termine ça. Je vais la sauvegarder, mais... Oh là 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 là. Malagor. Hard. Battle. Oh mon dieu. Alors j'ai sûrement perdu des unités. J'ai perdu plus de la moitié de mes effectifs. Bon, mais... J'étais pas donné vainqueur, donc... Ah, je sais pas si j'ai peut-être rien perdu. Alors, non, on s'en fout de ça. Ce qu'on veut, c'est se renforcer. Oh là 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 là. Ok, la lune noire. Non. Non. Pendant deux tours, je vais augmenter ça. Donc lui, il est prêt à y aller. Non, il n'est pas prêt. Et lui... Est-ce qu'il peut y aller? Il va détruire ça. Est-ce qu'il peut détruire ça? Non. Parce que le risque, c'est que... Qu'est-ce qu'il reste? Non, il reste rien. Donc on va l'attaquer. Ah, j'espère que j'ai pas perdu. Eh ben écoute, c'est mes enfants. Ah là là. Ça a été très chaud. Hein. Allez, on fait ça. On va faire les montées. Je pense qu'on va s'arrêter ensuite. Donc, ah bah c'est toujours Malagor. Il est monté deux fois, évidemment, avec un truc pareil. Donc, rébellion. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est très, très bien. Donc, on fait ça. Ensuite. Donc, lui, est-ce qu'il a ça? Il a sa corruption du chaos qui marche très bien. Qu'est-ce qu'on va faire? J'en sais rien en fait. On va faire... On va essayer de l'améliorer. Alors je me rends compte que j'ai fait une erreur avec Malagor, c'est que je vais commencer à lui donner des sorts sans m'occuper de la croissance de sorte. Mais enfin, à la limite, c'est pas grave puisqu'il est alimenté par d'autres, par l'armée de Khazrak. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, écoutez, ça me fait trop envie. Manticore. Je sais pas comment se passe la magie des morts, mais je vais essayer de créer un chaman de ce type-là quand je pourrai. Mais l'armure j'en ai hein. C'est pas terrible ça. On va quand même prendre l'armure. Ok, donc ça c'est bon. Ça faut absolument que je me refasse. Ça tombe bien, on peut faire ça. On peut augmenter ça quand même. Et ben c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc changement par tour, moins 8, à cause de l'événement, bah ouais. Ça augmente la croissance, donc on va faire ça. On va voir ce que ça donne par rapport à tout ça. Ici j'ai 5 de croissance, je sais pas du tout ce que je veux faire, mais de toute façon, c'est pas le moment. Ok, ok. Bah écoutez, de toute façon, je pense que j'ai largement assez pour cet épisode 10. Là ils ont pris une claque. Donc il va falloir qu'on poursuive. On a toute leur ville à détruire. Donc on va travailler dans le sens horaire hein. Donc on va aller
Voilà, on va s'occuper de tout ça et puis après on va descendre. Après j'imagine qu'on aura le Auckland à gérer et ensuite ce sera cap à l'ouest pour tout ce qui concerne Marienbourg. Ils ont au moins autant d'armées que moi, hein, puisque je suis Rand Force 2, ils sont Rand Force 1. Auckland, ils sont 3. Ok, ben merci à vous et puis à bientôt pour la suite.